Si la Bible dit que tu es menteur, si tu dis que Jésus est Dieu. La Bible. Oui, et la Bible dit que tu vas en enfer, si tu dis que Jésus est Dieu. C'est laquelle? Jean 17, verset 3. Lis. Tu vas voir. Tous ceux qui vont dire Jésus est Dieu là, c'est un fait direct selon leur Bible. Jean 17. Jean 17, verset 3. Mais il faut te repentir en même temps et dire que Jésus n'est plus Dieu. Tout à l'heure. Jean 17, verset 3. Verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi. La vie éternelle, Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit Dieu est là et l'envoyé est là. Donc Dieu est là et c'est lui qui envoie Jésus. Donc l'envoyé ici, c'est Jésus. Maintenant, si toi, oh, si toi tu dis quoi? Je viens encore dire. On dit. C'est Jésus qui parle maintenant. C'est 17. Jean 17, verset 3. Éternel, c'est qu'il te connaisse. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui a envoyé qui? Jésus-Christ. Qui a envoyé qui? Celui qui a envoyé Jésus-Christ. C'est Dieu, le Père. C'est Dieu, non? Et Jésus-Christ dit, pour aller au paradis, il faut quoi? Passer par lui. Non, non, par ici. Il dit, oh, la vie éternelle, et qu'il a... La vie éternelle, c'est que te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Quelle est la condition pour aller au paradis, selon Jésus, ici? Oh, la vie éternelle, et qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. On lit encore, on lit encore. Écoutez.